Nous sommes sur le plateau Espérance TV pour animer l'émission Tala, anti-causer. Et c'est puis plaisir, grâce et puis moi qui animé l'émission Tala. Et nous avons déjà remercié les autres hein, pour la prière, soutien et encouragement aux autres cabanons. Nous les aussi dit Daniel qui est technicien nous là, je dis à la, bon courage, tu es fort, persévérance et qui a fait un travail extraordinaire. Et c'est grâce à lui que nous payons. Ouais, émission 1, et nous pétons ni, puisque émission t'as là sur les trois radios, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis nous qu'a salué les téléspectateurs. Gracien, bienvenue dans le plateau, hein, mon content well. Moi aussi, moi content well. Et puis, moi, quand bienvenue aussi. Nous qu'a remercier bon Dieu, parce que c'est une occasion bénie, il qu'a bannou dit ouvrir parole là, pour nous payer ça, tirer des substances en dedans pour aider nous, pour nous grandir spirituellement. On va faire un grand coucou, un salut fraternel à toute la grande, grande famille, bon Dieu, à Lyon, la terre. Je vais saluer tout le monde. Je vais dire, Tchébefo, tout ça qui va même la famille, bon Dieu, ça qui a étudié, ça qui a découvert à la Bible la richesse la chrétienté. Je vais dire, bon courage et puis prends plaisir, pencher croyant les paroles là. C'est là qu'on va trouver la vie, c'est là qu'on va trouver l'espoir. Et puis c'est là où on va trouver aussi la joie. Merci en pile. Bel passage. Nous avons rappelé et thème là, mission bon Dieu, mission moins, et ça important. Et à travers le thème là, nous avons vu que bon Dieu n'a pas fait exception de personne. Exactement. Tout le monde a la possibilité d'entendre l'évangile qui c'est en good news, qui c'est bonne nouvelle, qui c'est en bonne nouvelle et. Qui là pour tout le monde, il suffit de ouvrir, accepter Jésus pour sauver et puis vivre selon les enseignements qui étaient ben nous. En tout cas, je dis à nous, en l'autre thème, la mission envers les puissants. Grâce à prier pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons béni nous, nous avons loué nous, et nous avons dit merci parce que nous avons permis de nous pencher comme nous à deux paroles. Pour nous fouiller, pour nous trouver un joyau qui peut aider nous grandir dans la foi. Souple nous, Ramadou. Bannons le Saint-Esprit. Parce que dis-nous, pièce bon l'idée ne peut pas sortir. Dis-nous même, nous ne pouvons pas découvrir rien. Mais c'est l'Esprit Saint qui a éclairé nous, qui a conduit nous, qui a guidé nous. Souple, papa. Fais-nous grâce. Et que le moment là, nous placeons en la main et que toute gloire paraît en nom Jésus. Amen. Amen. Là, nous regardons et Matthieu 16, 26, c'est le texte de base là qui est là, Gratien, qui s'est dit? Eh bien, le texte là, c'est un texte qui faut tout bonnement. Puisque Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien, que donnera un être humain en échange pour sa vie? Oui. Alors, là, nous regardons et thème là, mission envers les puissants. Ouais. Alors parfois nous allons rester à niveau nous et puis nous allons dire l'évangile pour circuler jusqu'au bas du peuple, justement le bas du peuple, et les communs des mortels, monde qui pas aisé, monde qui pas Jeffon, on y dit bas les pauvres et puis les malheureux. C'est ça. Et sans les règles. Sans les règles, parce que nous allons dire oui, monsieur un agent, oui, il y a une possession, il y a le bien, il y a le bagage. Et l'évangile a pas taille, parce qu'il paraît que j'en accepte l'évangile. Oh, je dis venir, moi, pas tout le monde, qui est riche, qui est puissant, qui est pauvre, l'évangile a fait à tout le monde. Et puis nous avons découvert dans la Bible, il y a des gens qui étaient extraordinairement riches, et puis qui servent bon Dieu jusqu'à la mort. Très bien. Alors, nous avons un peu un premier personnage, Monsieur Nabucodonosor, ça, ou d'autres mondes, c'est Nebuchadnezzar. Oui, Nebuchadnezzar. Alors, nous avons dit les téléspectateurs et puis les auditeurs, que parmi eux, ni moun qui première fois ont peut-être qu'attend notala hein? Alors ou ka di nous c'est qui moun et qui côté et nous ka une histoire dit dans Bible là et puis pour ça li puisque nous peut pas entrer en tout détail quoi. Oui, alors Nebuchadnezzar c'était roi Babylone. Babylone qui a fait partie des cinq royaumes, quatre royaumes universels et auquel Daniel chapitre 2 qui a mis le doigt en l'œil parce que bon Dieu sans révélation il bat. Il révélait Daniel ça pour le roi Nebuchadnezzar, puis il dit qu'il symbolisait par un tête d'or. Et c'est lui qui a le premier royaume universel. Un royaume universel, c'est un royaume qui a pris naissance à deux contrées, mais qui a régné toute la face de la terre de l'époque. Oui. Et alors, donc, Nebuchadnezzar,
Le Daniel c'est ça, il explique la vision, il dit c'est lui qui l'a tête d'or. Depuis qu'il n'a pas fait ni une ni deux, il y a les forces, moi ça tout en nous. Et puis il dit, moi tout le monde dévoué adoration à deux satites là, parce que là où fait ça, c'est moi qui adore, parce que c'est moi qui prenais, c'est moi qui l'a tête. Tout le monde est pour à genoux et puis adorer statue, là où adorer statue en même temps qu'on adore, depuis qu'il n'a pas ça. Alors après cela, nous avons plusieurs détails, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que pour vous, par rapport à ça, Nebuchadnezzar fait, Bouktala te bousé le salut et est-ce que tu as accepté le salut? Pour où? Ah oui, c'est-à-dire pour moi, et de commun des mortels, je suis dit, là, Bouktala est là, précis là, Michel là, Michel je me dis, de ton plus, il est bon Dieu. Oui, oui. Il est ami. Et nous, nous croyons aussi que là, il fait parler tout ça, il sortit des rois et puis il commence à glorifier quoi? Oui, et puis il pose une question qui s'est venu de tout ça. Oui, moi, Nebuchadnezzar. Moi, Nebuchadnezzar, moi, je tout dans le monde. Mais il dit ça, c'est qu'en dépit de l'arrogance, bon Dieu a suivi lui à la lettre. Et oui. C'est ça qui va alors, qui m'a encore dit que bon Dieu qui a suivi à la lettre? Bon Dieu qui a suivi à la lettre. Parce qu'au départ, bon Dieu employé, maintenant pour délivrer les gens. Bon Dieu employé, puis exercer jugement en l'aide des nations qui étaient rebelles, telles que les peuples d'Israël. Bon Dieu employé, même quand il est employé, Roboam, Ezekias, pour te marcher par peu, et puis à un moment, et tu as levé, tu as quitté bon Dieu de côté, bon Dieu, bah, yo s'attention. Et c'est ça qui arrive pour Nebuchadnezzar. Et nous croyons que, heureusement, on dit dans le royaume, là, les déportés, maman Israël, il tenait des jeunes gens qui étaient fidèles. Il tenait des jeunes gens qui étaient témoins. Ça doit être Meshach Abednego, et puis Daniel, et puis toute la cohorte des gens qui étaient fidèles, ils restaient fidèles à bon Dieu, yo, le bon Dieu d'Israël. Et ça, c'était des témoignages qui portaient fruit. Alors, qui s'est arrivé et Nebuchadnezzar? Alors, là, Nebuchadnezzar commence à grandir, entre en arrière, en grand-sulé. Nous avons trouvé ça en chapitre 4. Chapitre 4, là. Donc, il commençait à mettre bon Dieu de côté. Et puis, là, il mettait bon Dieu de côté. Bon Dieu dit, je vais faire tout signe, tout produit, ou pas qu'attendre. Et bien là, je vais faire perdre la raison, ou quand il vient, quand un animal, quand il vient sur l'eau, quand il vient en bête, ou quand il vient en réserve. Et c'est ça qui fait. Et chapitre 4 là, monsieur a témoigné, les sorties à de folie, crise de folie là, hein, il reconnaît que c'est bon Dieu. Donc, quand il évite ce moment-là, à lire chapitre 4, Nebuchadnezzar et Daniel, chapitre 4. Et puis, ou quoi, par exemple, il a dit au verset 4, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe, etc. Alors, dans son jour-là, il a dit c'est un grand arbre. Un grand arbre qui a porté puis. Cette zabla qui a monté jusqu'au ciel, zibier, oiseau du ciel qui a posé, qui a reproduit tout bagaille, et puis un voix qui a sorti, et puis qui a dit descend, et puis abat Abdallah, coupez la sinu, coupez tout bagaille. Oui. Donc, sans symbole ici, Daniel qui a expliqué, il a dit attention, roi, bon Dieu, fais au faveur, il bat au prestige, il bat au gloire, il bat au richesse, il bat au royauté, il bat au tout bagaille. Mon fameux royaume, ou pas coûter ou pas bail gloire. Alors là maintenant Pierre Brata, c'est où? Ou bien vivre dans les champs, tout ça. Et là, il vivait dans les champs. Okay, Pedro Ayoté, tout ça. Et Pedro puis... Ayoté, il vini con en bête et puis qu'a mangé. Combien d'années il était là? Sept l'année. Il dit zong gli sorti de haut. Zong bête, puis long, disons, macaque. Et puis, en bête qui est dangereux, et puis zong gli, c'est lousse. Puis dangereux qui ça. Et puis là, il vient là, il réfléchit, il cache là, il dit, où ça, bon Dieu, c'est lui qui a raison. Là, il repentit quoi, le mot important, il repentit quoi. Il reconnaît que c'est bon Dieu qui tout bagaille. Alors, et puis, à la fin, au verset 37, il a dit, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont valables et les voies sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Très bien. Alors, Gratien, qui leçon nous peut tirer en disant l'histoire de là? D'abord, c'est la grâce. C'est grâce à des croyants engagés comme Daniel nous citait, que Dieu peut atteindre les puissants. Nous allons rappeler que Daniel a mis un témoignage irréprochable. Et ça permet aussi Nebuchadnezzar reconnaître bon Dieu.
Deuxièmement, Dieu peut intervenir directement sans le processus de témoignage. Nebuchadnezzar fut humilié par Dieu pour son orgueil, pour son arrogance. Et bien que cette histoire soit très spectaculaire, les riches, les puissants, les hautains peuvent être abaissés de bien des manières afin de reconnaître la suprématie de Dieu et de lui donner son cœur. Oui, alors qui objectif bon Dieu, les nous soit là, et puis nous avons les pauvres, les malheureux, que tout le monde ait possibilité d'y sauver. Oui. Alors, on nous prend 1 Timothée 2, nous allons verset 3 et puis 4 pour nous comprendre la raison de là. Que personne ne peut pas dire, il a perdu d'avance. Mm-hmm. Et c'est un privilège pour nous, là où nous avons lu ce texte-là, pour dire que chaque témoin, chaque disciple, il a la possibilité de s'y mettre l'évangile-là, et puis bon Dieu qui fait récolter par le Saint-Esprit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est l'objectif. Extraordinaire. Donc, tout le monde qui a écouté, il y a une possibilité d'être sauvé. Si on pas sauvé, faute là, c'est pas bon Dieu, grâce à Dieu. C'est pas bon Dieu, c'est nous-mêmes. Alors, on nous avance, nous allons prendre un autre nom, et Naaman. Naaman, peut-être là encore, c'est mon nom, pas ni l'occasion d'y connaître l'histoire là. Mais c'est une belle histoire qu'il a. Nous avons trouvé ça dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 19. Mm-hmm. Naaman, c'était un vaillant guerrier, ouais. Chef de l'armée de la Syrie, puisque c'était un Syrien, voilà. Mm-hmm. Ouais. Et puis, qui était attaqué. Ouais, il venait attaquer Israël. Israël. Il a attaqué Israël, maintenant, il a colonisé Israël, et puis il a mené en déportation. Ils ont mené ainsi la déportation et comme butin, maintenant beaucoup en non israélite. Qui s'est fait à Dan. Le groupe Mountala, il était ni Timomai, il était ni Gomon aussi. Mais Timomai était affecté à maison Naaman comme servante. Comme esclave. Comme esclave. Alors, on nous lit texte là, hein, pour passer mon en avant-goût. Oui. On dit dans le passage là, il y a fini les. Chapitre 5, à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire ça à son maître, c'est-à-dire le roi de Syrie. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'or d'argent, 6000 sicles d'argent, de vêtements, de rechange, et le porta au roi d'Israël avec la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. » Alors, on nous va augmenter quand on est au verset 8. Oui, alors verset 8. Alors, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, et il envoya lui dire, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Mm-hmm. Naaman vint avec ses chevaux, ses chars, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et pure. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il va sortir devant moi. Il présentera lui, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, soit son Dieu. Il agitera sa main du côté et d'autre, et il me guérira de lépreux. » On nous reste là. Et nous, quand on dit l'histoire-là passionnante, nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, mais continuez ligne.
Et nous kawe que et puis tout arrogance li prophète là pas même sorti de roi, il dit allez dire Naaman allez plonger sept fois dans le Jourdain. En fait et ça prophète là dit là, il a dit comme quoi que au besoin Jésus et le baptême. C'est ça. Et c'est purification. La purification. Le baptême, c'est un symbole de la purification du corps. Alors nous un quel point homme qui était puissant. Roi. Bon Dieu saisit dit pour faire venir en Yish et sauver depuis Ganetzao. C'est ça. À présent, là, il y a un vaillant chef militaire. Oui. Là, mais il n'y a la lèpre. Il n'y a la lèpre. Et la lèpre qu'a symbolisé le péché, Gracien. Le péché, la lèpre qu'a symbolisé. Et seule solution qui n'y, c'est bon Dieu. Oui, c'est seule solution qui n'y pour bon Dieu, parce que là, on y a la lèpre. Il faut tout quitter toute possession, tout bien, on y fait. Et puis exil les corps. Parce que c'est contagieux comme le péché. Alors là, qui monde qui jouait un rôle important, et c'est important, en disant, passage ça là, nous n'y là. Mais la mission de Dieu, ma mission, si maman est là, il n'y a pas de nouilles, il n'y a pas même de l'argile, mais si fillette est là, qui au service là, la compassion, alors qu'il était peigné la haine, parce que il a tiré un pays d'Israël, si maman est mort, si papa est mort, si frère est pissé, et puis si Lyon là, il s'est peut-être dit, c'est monsieur, c'est eux qui connaissent, ça va quoi, il s'est regardé. Des pour déraciner, on a dit dans le peuple, on a dit dans le pays, et non, il s'est pété à agir comme ça. Il n'a pas fait ça. Mais ça sent l'isson. Ça veut dire qu'en base, à deux foyers, il y a une bonne éducation. Bonne éducation. Et pour lui, c'est l'amour du prochain qui a pris mes dans la vie. Ça nous est dernièrement, et mes dieux, et puis mes prochains, comme même. Et qui ça a dit toutes les jeunes filles, et qui l'école, qui tout partout, placées en côté, et puis qui connaissent bon Dieu. Qui ça a dit là? Mais à partir du moment, quel que soit l'âge là où on est, pour connaître bon Dieu, même un seul mot peut dire faveur au royaume bon Dieu, dit. Et alors c'est ça nous a dit, pas mettre drapeau en poche. Vous qui l'école, pas mettre de drapeau en poche. Vous qui drapeau le camarade là qui a présenté un petit cigarette, vous ne pouvez pas tout étouffer, ce n'est pas rien, ça qu'il faut. Non, vous pouvez être ferme, vous pouvez dire non, je ne vais pas filmer, au nom de Jésus. Et nous voyons que là où est Naaman obéi, Naaman vient pur. Oui, c'est une expérience pour lui. Sept fois, ce n'est pas une fois. Sept fois, chaque fois il est élevé, la chair est élevée. Sept fois, il me rend là, le chapitre 50 en entier, parce que c'est un chapitre passionnant. Et la septième fois, là, il plongeait, il est élevé. Bible a dit nous que la chair est venue comme la chair en petit bébé. Eh oui. C'est important. Nous pouvons avancer, nous ne pouvons pas rester. C'est histoire donc, là. Mais passionnant. Ça, mais faut nous dire un mot aussi. Oui. Là où il fait ça, et puis machin, il dit, véritablement, Dieu prophète là, c'est lui qui bon Dieu. Ouais. Alors donc, il fait des façons, puis il baille des hommages, baille des bagages. Et puis justement, puisque c'est en Israël, bon Dieu, quand il était, moi, 2000 terres pour me mener, pour me faire un côté, une petite place, pour me réadorer, les terres, bon Dieu, t'as là. Mais le prophète là fait comprendre que bon Dieu, tout partout, oui, Dieu oui, est l'esprit. Ce n'est pas terre qui a raconté, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui a raconté. Et alors, Naaman rentre les poids, et puis il sortit purifié, et puis croyant, chrétien. Oui, c'est sauvé, ça qui est important. Sauvé. Sauvé. On a avancé, ça belle, hein? Mission mon Dieu, mission moi. Et puis, à présent, nous avons voir qu'il y a un homme qui instruit, un intellectuel. Nicodème. Alors, qui côté et nous avons trouvé l'histoire Nicodème? Jean, chapitre 3. Nous avons trouvé l'histoire de là dans Jean chapitre 3. Jésus donc commençait le ministère lui, et puis il commençait à enseigner tout le monde qui a venu écouter, les grands comme les petits, les ignorants, comme ça qui s'allie, ça qui passe à lui, qui a écouté Jésus. Mais en bouche de quand sorti des qualités vérité, des qualités logiques, quand il m'a dit vraiment, ça que le monde a là, etc. Alors, les Nicodème, il vient, il a écouté Jésus, et puis il dit ah non. Faut me trapper un autre Dieu, puis non, nous avons ces moments-là. Alors, pas oublier que Nicodème a fait partie du Sanhédrin, le grand conseil juif. Le grand conseil juif, il y a 70 personnes à le grand conseil des juifs. Là. Et donc, il décidait, pour ne pas voir, pour ne pas faire Dieu, il décidait de créer une situation, puis il y a Jésus. Mais il vient de nuit. Et puis, il commence à parler. Alors, pourquoi il y allait la nuit? Il vient la nuit. Parce que les autres membres de la communauté, les 70 sages là, maintenant, tu feras faire hostilité, barrage à l'enseignement de Jésus. Il n'y a pas de quoi en Jésus. Mais Nicodème, tu as trouvé ce que Jésus dit, ça, il a dit à sa logique et sa vraie.
Alors donc il décide de venir la nuit. Alors là il allait voir Jésus la nuit, qu'est-ce qui passait? Oui. On nous lit un petit cours histoire jusqu'au verset 3. Oui. Alors mais il y a d'entre les pharisiens un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit au verset 5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un OSC là, bel passage. Ça nous pour tirer comme et les sons à dans passage ta là c'est là où est aller au petit Jésus. Yes. Même si vous parlez mon ouais pour vraiment y aller. Oui. Que ce soit la nuit, que soit la journée, Jésus là pour attendre nous. Oui. Ou peut dire ni le monde qui dit l'évangile c'est bas monde qui pas ni sévère, bas monde qui pas intelligent. Ou comprenez? Mais nous n'avons bouc ici, c'est lui qui a interprété pour enseigner. En lettres qu'il a, en lettres qu'il a. Donc, nous croyons que l'évangile est à la portée de tout le monde, qui est puissant, qui est riche, qui est pauvre, et c'est ça pour nous mettre en tête nous, mais ça vraiment extraordinaire. Alors, grâce à qui ça dépasse ça là, qu'a dit nous dit Nicodème à présent. Quand Nicodème veut voir Jésus, il essaya de préserver son apparence, son statut, mais Dieu connaissait son cœur. Et c'est ça l'avantage. Parce que Jésus connaît nous, nous pas connaît nous, Jésus connaît nous. De la même manière, Dieu connaît le cœur et les besoins de tous les riches et de tous les puissants. Quelle que soit leur situation, Nicodème veut voir Jésus parce que ses enseignements l'avaient convaincu. Son orgueil l'avait empêché de confesser publiquement Jésus comme son Seigneur. Mais cette nuit-là, il le changea à jamais. Pourtant, même après avoir été convaincu que Jésus était l'envoyé de Dieu, il ne reconnut pas publiquement qu'il était un disciple de Jésus. Mais la suite de la vie de Jésus et de Nicodème, ça a changé. Parce que là, Jésus crucifié en la croix. D'abord, avant, Nicodème défendit au Seigneur Dieu. Il dit, si on peut condamner un homme sans tenir, et puis écouter pour savoir qui ça y a dit. Et puis, dans Jean 19, verset 39, il y a montré ici un témoignage Nicodème. Oui, oui. Et qui manière que Jésus touchait, et puis il cherchait à protéger Jésus, et en disant vivant, et puis honorer après la mort. Oui, voilà, voilà, oui, voilà. C'est cela. Verset 39. Et alors, donc, au verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit auprès de Jésus, vint aussi portant un mélange d'environ 100 livres de mitre et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Oui. L'évangile, c'est bat tout le monde. Oui. Nous croyons que toutes ces bouquins-là, là, qui étaient riches comme pas possible, mais c'est Bill Gates, tous ces gros milliardaires-là. Pour nous, nous allons dire, ben, l'argent, c'est mon c'est bon Dieu. Ouais. Est-ce qu'il y a accès au salut? Par rapport à cela, nous avons deux histoires-là. Nous avons deux histoires-là. Nous avons l'histoire de jeunes gens là qui étaient riches, en jeune docteur, qui allait au petit Jésus, et puis il posait une question, bon, mais qui ça m'a pour moi faire, pour moi, la vie éternelle. Oui, alors nous avons l'histoire-là, donc, Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 22. Un jeune homme s'approcha et dit à Jésus: bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Jésus lui répondit: tu aimeras, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après ces paroles, avant entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de gros biens. Oui. Et Adam, en l'autre passage, il dit: qui est-ce qui est prochain? Et puis Jésus présentait l'histoire samaritain et tout ça, etc. Samaritain qui... Tout ça, c'est pour montrer nous, en réalité,
le salut, tu es à la portée, puisque Jésus, c'est le salut. Oui. Jésus dit ça, puis il fait. Mais, problème jeune homme d'Allah, c'était qui ça? On nous allait rapidement. Oui, alors nous avons dit problème jeune homme d'Allah, c'est qu'il était attaché au bien. L'argent prend toute place là. L'argent prend toute place là, et puis ferme tchèye aux besoins du pauvre. Bien, ni en l'autre riche là. Zachée. T'en parlais de Jésus. Les Jésus étaient passés à Jéricho. Ils courent, montent dans le pied-bois. Dans le pied-bois, ils courent aussi comme moi. L'homme de la brise. Les Jésus vont dans le pied-bois. Ils disent Zachée. Descends. Faut que moi, restez la caillou, jeudi. Pourquoi Jésus dit. Jeune Jean riche là, docteur la loi. Allez, vend tout ça, on y et pouti, il pas dit acheter ça. Ah ouais, oui, parce que j'achète tes capouillons de monde. Il vole le monde, il a magasiné l'argent. Mais ça t'a un démangé son pote parce qu'il savait qu'il a fait mal. Il savait qu'il a fait mal et si on a l'occasion de présenter puis rembourser ce monde, il te qu'il fait. Nous rappelons tout à l'heure, Jésus connaît chez nous. Il connaît mobile nous. Et Jésus prend une stratégie différente du jeune homme. Parce que le jeune homme, là, il dit l'argent, il connaît les commandements, mais c'est en pratique qu'il paramètre les commandements. Oui, et nous avons vu que pour Zaché, les descendants, premier bagage qu'il fait, il commence à repentir, confesser, et puis lui-même dit il caille bas. Il caille remettre. C'est ça la différence. Oui. C'est ça la différence. Oui, oui. Alors que le jeune homme, il a une possibilité de dire Seigneur, mon cas, pour moi, suivez vous, je vais abandonner tout ça, je vais abandonner pour. Eh bien, Zaché, justement, et il on dit ça, jeune homme riche là, pas te mépriser. Eh oui. Pas te mépriser. Mais Zaché, te mépriser, tu as créé un volet voyou ou tu as mis plus l'impôt. Matthieu 16, 26. Qui c'est qui a dit nos questions? Matthieu 16, verset 26. Et puis, nous avons un dernier point sur la mission auprès des puissants. Et c'est le texte à réciter. Quand servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et c'est ça l'expérience, jeune homme. Maman, si ils obtiennent l'argent, si ils sont riches, ce n'est pas un problème pour mon Dieu. Non. Mais si richesse a contribué à aider les autres, et puis pas qu'à prendre place, mon Dieu, dans la vie, et mes autres bon côté à pour prendre bonne décision et puis bon Dieu qu'il servir parce que il dit ça qu'il est difficile pour un riche mais il pas dit impossible hein ça c'est d'entrer en royaume li et c'est important. Alors et mission auprès des puissants qui sont quoi dit nous Gratien Asso et ce texte là on nous prend Matthieu chapitre 27 verset 57 à 60. Et rapidement voilà. Et puis nous apportons la conclusion laisse ça. Le soir étant venu arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Lorsqu'il s'était taillé dans un roc, puis il roula la pierre, une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Oui, oui, oui. Et qui ça texte ça là, ni à ou, et puis les riches qui ont coûté, qui ont gardé l'émission là, et puis les riches nous connaissent, est-ce que ce n'est pas une manière pour nous motiver et puis apporter une nouvelle là-bas? Oui, oui. Alors, vous qui êtes riche et pour vous avez l'argent, ça ne peut pas empêcher d'être un disciple de Jésus. Ça ne peut pas empêcher d'être un disciple de Jésus. Mais Joseph, maintenant, il suit Jésus. Nous avons dit il était disciple en Didotchei. Il est qu'à suivre Jésus de loin. Mais il n'a pas de décision. Il n'a pas de décision. Là où un moment venu, puis il passe à l'action, il passe à l'action. Et c'est lui qui donc embaumé Jésus, qui mettait Yosepé. Et nous avons deux noms là, Nicodème et puis Joseph, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, oui, en disant la vie. Alors, et ben nous, un petit mot là, et puis nous avons fini, Gratien. Les gens puissants chercheront à s'associer à un ministère authentique pour certains nombres de raisons. Ils veulent contribuer à faire quelque chose de bien qui change la vie des gens. Cela change également leur vie, car celui qui donne reçoit. C'est une manière subtile pour les riches et les puissants d'obtenir l'aide dont ils ont besoin sans avoir à révéler publiquement leurs besoins. La deuxième phase est de démarrer un ministère authentique comme une possibilité pour que les riches et les puissants fassent partie du ministère de Dieu.
Et donc, nous devons prendre le temps d'investir dans la vie des riches, des puissants, c'est-à-dire investir dans la vie pour porter l'évangile bayo, porter la connaissance bayo. Ça important pour nous savoir que faut que nous prions bas ces monde qui est là parce que pour le terminer, bon Dieu qui a utilisé ces monde là, les toucher eux, qui investi parce que quand ouais l'argent a eu là pareil c'est vieux a rien encore mais il est bon pour pousser et l'œuvre là avancer prêcher l'évangile permettre à monde dit une parole là et puis pour tout le monde sauver nous quand dit c'est mon nom pas pressé condamné ni riche ni puissant ni intellectuel mais en nous exercer ministère nous auprès de tout ces monde là sans complexe parce que nous avons venu au nom du tout puissant dynamisé par le Saint-Esprit. Gratien, eh bien, nous pas ni temps, hein. Temps arrivant les noms. Alors, vous te priez pour commencer, on nous prie pour finir. Papa Dieu, nous cadeau, merci pour la possibilité où chacun dit, moun, d'y accepter Jésus et puis d'y être sauvé. Ou pas qu'à faire distinction entre personne qui ou a, qui est président, qui est banquier, qui est super riche, qui est milliardaire, qui est intellectuel. Le salut, c'est pour tous ces mondes-là. Aidez-nous, bon Dieu, pour porter l'évangile là. Et puis les moyens au cabanon, pour nous faire faire plan pour toucher tous ces mondes-là. Pour le roi Jésus qui a vivé, tous ces mondes-là qui a sauvé, et Jésus qui a dit, entrez, prends place en dans le royaume là, m'en préparer bas autres dès avant la fondation du monde. C'est prier moi en nom Jésus. Amen. Amen. Amen.